Et salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 6 de Minecraft Hardcore, un nouveau monde. Et oui, j'ai vu le résultat du sondage et c'est pour ça que j'ai un petit peu attendu avant de la sortir parce que je voulais avoir votre avis concernant la fameuse bombe atomique. Donc, on est parti. On va la faire péter cette bombe atomique. Alors si on survit, j'espère qu'on va survivre. Après, on ira continuer à attaquer des bases et découvrir encore plus de secrets qui sont cachés sur cette île. Mais avant ça, je vais faire un petit truc parce que j'ai vu dans les commentaires l'un d'entre vous qui m'a dit: fais un bunker en obsidienne, mais pas pour m'abriter dedans parce que je pense que le bunker en obsidienne ne va absolument pas résister, mais juste par expérience. Le bunker, je vais le faire ici. Voilà, je vais le faire ici. Et après j'irai activer la bombe atomique. Alors je vais faire ça vite fait, je vais aller chercher l'obsidienne déjà, faire quelques allers-retours. Alors toi tu dégages. Je vais aller miner un peu d'obsidienne, je vais aller me faire un bateau quand même, parce que j'ai pas de bateau, pour pouvoir fuir le plus vite possible d'ici. Bon, très bien, j'ai fait mon bunker en obsidienne, voilà. Je vais reboucher le côté, on s'en fout un peu. Ici, je vais libérer. J'ai mon petit bateau. Il y a le gros bateau là-bas. On va aller dans mon petit bateau, et on va aller poser cette bombe atomique. Évidemment, le bunker, je vais pas rester dedans, hein. C'est juste un test. Je vais quand même m'éloigner le plus possible. Je mets mon bateau ici. Mon petit bateau, je le mets là. Voilà, je descends. Comme ça, on va pouvoir fuir. Et va pas falloir se rater, hein. Va clairement pas falloir se rater. J'ai des blocs, j'en ai pas beaucoup encore une fois, mais j'en ai. Faut voir, il est où mon bateau? Il est là. Donc histoire de courir le moins possible, je la mets là. Ensuite on va se mettre la redstone, 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est en gros, c'est un fil électrique. Et là c'est le moment de vérité. On croise tous les doigts, je vais me barrer super loin, hein. Donc explosion atomique, grippe, on la verra peut-être pas. Mais je vais partir très loin, l'objectif c'est de survivre. C'est pas de regarder, hein. On n'est pas des soldats américains en 1950. Allez, go. Ah, on s'arrache. Ah, oh, il y a le bruit et tout quoi, c'est incroyable. On se barre, on se barre, on se barre, on se barre. On va devant toi. Ta gueule, qu'est-ce que j'ai fait là? Off. Est-ce qu'on voit un truc? Ah oui, il y a eu grosse explosion, hein. J'ai l'impression. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces trucs verts? Je pense que c'est déjà des retombées radioactives, quoi. Le bunker en obsidienne, hein. Heureusement que je me suis pas mis dedans, hein. Genre, il était là. On va voir un peu le bilan définitif de ce trou. Des déchets nucléaires qui m'entourent un peu partout. Et ça a fait plutôt carnage. Ouais, regardez ça. C'est le chaos. Bon, il y a un petit problème au niveau de la physique de la mer, mais c'est pas grave. D'ailleurs, ça bouge un peu là-bas, là. Mais ouais, ça a fait plutôt une grosse explosion. Et du coup, ouais, ça a fait vraiment un énorme trou. Laisse tomber la taille du trou, hein. Est-ce qu'on le voit sur la map, le trou? Ah oui, on le voit même sur la map, le trou. Ah oui, quand même. Eh ben, quand tu auras un trou à la place de chaque porte-avions, eh ben là, on sera content. Du coup, tous ces sacripants qui étaient sur le porte-avions, je pense qu'ils nous embêteront plus. Et on commence à faire un peu carnage. Non. Remonte. Première personne, comment on fait pour remonter en bateau? Non, c'est le car... Non, aïe. What, qu'est-ce qui se passe? Ah. Le bateau, qu'est-ce que tu m'as fait? Viens là, le bateau. Aïe. Je vais me noyer, wesh. Remonte à la surface. Oh. Mais je prends trop cher. Aïe. Mais bordel. À cause des déchets nucléaires, je peux même plus nager. Mais putain, mais... Ah. Mais c'est l'enfer. Mais je fais que tomber. Aïe 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 aïe, pas maintenant, vite. Oh mon dieu. Bon, on va pas aller explorer ça, évidemment, hein. Je pense que c'est la mort assurée. On va essayer d'éviter de se prendre des radiations pleine gueule. Voilà, et là, on fait comme ça. Je prends mon bateau, je remonte à la surface, et on va s'éloigner.
Bon, franchement, je suis content. On a survécu à l'explosion atomique et on a vu qu'elle a fait quand même grabuge. C'est quand même une explosion atomique. Et au cas où vous l'avez pas capté, il y a eu un poil de montage là-dedans. Parce qu'en fait, il s'est rien passé, il y a juste eu un trou et le jeu qui a lagué à mort. Voilà, tout simplement. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est continuer notre exploration. Parce qu'il y a encore beaucoup de questions en suspense et tout le nord de l'île n'a pas encore été fait. Donc, eh ben, c'est parti. On va faire un peu d'exploration et on va voir si on peut trouver des réponses à nos questions. On a de la bouffe, on a du charbon, on a des machins, on a tout ce qu'il faut. Allez, fermez-la, les moutons, on a un lit. C'est parti. Taisez-vous. Par là-bas, là. Est-ce que ça a été fait? Oh non, c'est pas fait, ça. What? Eh, ça gueule dedans. Bon, vas-y, on va y... Alors, ils ont des armes. Oh, il y en a un qui a un flingue, ok. Venez, venez. Venez vous battre. Bon, allez, merde. C'est bon. Conneries, là. Ça c'est intéressant aussi. Ah, je vois un petit livre, nickel. Manger, 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 manger. Nug? Humain. Ouh là 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 là. Oh, purgette, oh là là, et oh, et oh, et ça, ça, oh, et. Ils arrivent à écrire, mais en attendant, ils veulent bouffer des gens. Ok, alors là il y a du monde. On voit la petite plaque d'apparition. Toi, paf, paf. Eh, les zombies en vrai, ils sont trop nuls, hein. Aucune difficulté. Et tu me tapes? C'est vrai, gros. Ah, le petit livre. Eh oui, quand même, on va pas passer à côté. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Peut-être important, ça ne l'est peut-être pas, je sais pas, on va voir si ça nous fait avancer dans l'enquête. C'est vrai que c'est un peu compliqué ici. Mais je suis quand même content d'avoir pu voir des dinosaures. Même si cela implique une transformation imminente en mangeur d'hommes. Adieu le monde. Jerkev. Rip Jerkev. T'as succombé comme tous les autres, mon pote. Allez, bon, bah, ok. Bon, il était content d'avoir vu des dinosaures, mais ça fait pas trop avancer l'enquête. Hein. Et ici, du coup, il y a une base. Mais on va les laver, en fait, là. Là, je pense qu'on va les laver, mais en deux-deux. Hein. Là, ça rigole zéro, on va les fumer. Hein. J'ai mon fusil de snipers. Prends pas de risque, hein. Je prends pas de risque, en vrai. Hein. Oh, il vient au cac. Il vient au cac. Voilà ça, tu as voulu venir au corps à corps avec moi mon pote. Ah ouais, c'est pas pareil hein. Livre. Ah, le moment intéressant, attendez, on va quand même aller à la lumière. Alors qu'est-ce qui se trame là-dedans? Lettre à remettre au QG. Avant-poste construit et opérationnel. Avons subi attaque d'un groupe de mercenaires inconnus. Continuons à sécuriser le centre de l'île 1. Ah. Ok, Togmar, introuvable, perte, 15 hommes morts, une désertion. Il y a une super info ici, là, quand même, l'île 1. Donc ça veut dire qu'il y a une deuxième île. Va falloir la trouver, cette deuxième île. L'enquête avance. Écoutez, il va faire nuit aussi. La journée avance aussi. Wesh, le raptor. What? Aïe, barre-toi. Ouais, ça dégage, le raptor. Ah non, ici, c'est pas fait. Ben, on va dormir ici, cette nuit. Attends, mais il m'attaque, lui. Mais barre-toi le raptor. Wow, wow, wow. Mais c'est malade. Heureusement que j'en ai des balles. Hein. Ouais, tous les... Pourquoi ils sont tous dans la mer les dinosaures? Ils ont craqué complet. Bon, ils veulent se barrer de l'île visiblement. Attends, j'ai ouvert la porte, j'ai même pas fait attention. Vas-y, rendez pas fous les zombards. Ok. Par contre, attends, ça m'étonne là, ils vont où? Ouais, il y a des galis. Coucou les galis. Voilà. Non, c'est franchement, c'était pas bien, c'était gratuit. Il y a encore du monde ici. Wow. Il y a de temps ce zombard. Alors le bon livre, il nous dit quoi le bon livre? Si je trouve ce fichu Togmar et que je le bute, je pourrais peut-être faire pardonner ma désertion. Enfin, j'espère. Rizout. Ah bah mon pote, t'es transformé en zombie avant. Hein. Donc rip, tu m'as pas trouvé Rizout. On va bien longer, on va bien checker tout ce qu'il y a ici. D'accord. Oh, il m'a l'air d'avoir un gros truc là-bas, j'ai vu. What? Mais là d'avoir une bonne grosse base militaire ici, là il y a un truc aussi. Il y a un hélico. Il y a un hélico là-haut, là il y a une maison, on va aller checker. Je pense que je suis assez loin de la base. Bon, il y a des zombies évidemment dedans. Ouais, oh, il a des réflexes ce zombie là. What? Eh mais... Wesh. Wesh.
Qu'est-ce qui se passe? Trop de bruit. Mais taisez-vous. Ok, bon, je prends ça. Le petit livre ici. Ces créatures. Mais c'est quoi, bon sang? Leurs yeux rouges, leur férocité, leur peau verte. Rien ne pourra les arrêter. Fuyez, pauvres fous. Tissis. Ok. Créature, peau verte, ok, d'accord. On voit que ça galère à survivre, hein. Mais on voit surtout que c'est la Hesse, en fait. Alors là, il y a du monde, je crois, là-dedans. Hein. Enfin, je pense, hein. Il y a quoi? Il y a un bordel. Il y a personne. Bon, bah, c'est tant mieux, c'est calme. Alors, il y a rien. Ok. Poudre à canon. Encore une fois, bon, super, on prend tout. Ok, le livre. On est vraiment venu ici avec 17 porte-avions. On nous cache quelque chose d'énorme. Je veux rentrer chez moi. Sadark et McDark sont passés pour me dire que la situation est sous contrôle. Tu parles? J'ai vu Monsieur Ellipse se faire dévorer par son propre frère pas plus tard que ce matin. Je me suis fait mordre. Ne jamais sortir la nuit. La règle de base, et je l'ai oubliée. Sky. Ouh, bah ça a mal tourné ici aussi, disons-le. Hein. Disons-le, ça a mal tourné pour tout cela. Par contre, il y a une petite info intéressante là. 17 porte-avions. Ils sont vraiment venus avec d'ici. Et le corbeau, il m'en fout. Hein. On n'envoie pas un porte-avions pour rien. Moi, j'ai envie de dire ça. Donc je le dis. What? Eh, mais arrêtez de gueuler tout ça. Bah, parce qu'en fait, vous le savez pas, mais c'est hyper fort dans mes oreilles. Hein. Voilà, c'est tout. Je pourrais baisser, mais j'ai envie de devenir sourd. Mon objectif à long terme. Ah. Bon, bref. Ok. On prend un peu d'altitude. Et on voit un peu ce qui se trame ici. Hein. What? Il y a ça, là. Ça. Bah, la dépop. Ça, ça pue, ce truc-là, hein, en vrai. Hein. Ça pue de ouf. Hein. Et après, de l'autre côté... Wow, ici aussi, il y a une énorme base militaire, ici. Incroyable. Incroyable, base militaire. Elle est où? Là, il y a une énorme base militaire, aussi, de ce côté-là. Ouais, il y a l'hélico. On voit si j'arrive à le descendre. Ouais, non, peut-être pas. Peut-être pas. Là-bas, il y a quoi, là? Là-bas, on dirait qu'il y a un village. Ok. Là, il y a une autre maison. En vrai, je pense qu'on va faire tout le tour par là. Là-bas, c'est là où j'habite, à peu près. On va faire tout le tour comme ça. Et on finira par la base militaire. Et logiquement, si on fait ça, j'aurais fini toute cette île. Mais du coup, visiblement, il y a une autre île. Donc, c'est pas terminé, hein. C'est pas terminé, visiblement. Donc, on va aller voir ces bestioles qui sont là. Mais ça, bah écoutez, on le verra dans un prochain épisode. Parce que oui, j'ai beaucoup, beaucoup galéré sur ce montage. Je sais pas pourquoi, j'ai galéré, c'est pour ça que la vidéo a mis longtemps à sortir. Là, c'est le Togmar du futur de la vidéo qui vous parle, qui est en train de monter cette vidéo. Et donc, toujours pareil, si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce comme ça, ça fait plaisir. Un petit commentaire aussi, pour savoir si vos théories avancent, si elles évoluent aussi. Au travers de ce qu'on trouve, à droite, à gauche, par-ci, par-là. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et tout ce qui me reste à vous dire, c'est... Tchuss tout le monde.